Ok, salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va tester le DJI Mavic Pro. Hop. Donc la bête est juste ici. Donc on va faire des plans en premier en drone et on couplera avec des plans qu'on va filmer au Sony. Et donc voilà. Donc du coup, fourni avec le DJI, vous allez avoir donc le drone en lui-même et la télécommande où vous allez pouvoir mettre votre portable. Donc avec la télécommande, il fournit 3 câbles de connexion, donc celui pour Android, celui pour iPhone et un autre, je sais pas ce que c'est. Là, on va lancer la bête. Vous allez avoir aussi de l'eau d'hélice fournie avec et là on va lancer. Il rigole. So bright, standing in the sunlight, never got burned. We were alright, had that easy kind of love, and I let it in for a moment. Felt like we were floating, baby. I swear we were golden. It was easy, natural as breathing air. And when the sky went dark, you think I would know before we let it get this far. Always knew what to say in our fights. Look at us now. Hard as I try, I get halfway up the wall and you pull me down. And when the sky went dark, you think I would've known before we let it get this far. I should've let you go. Now I gotta call. Donc du coup là en fait on a une télécommande avec les manettes, donc là c'est haut, bas, là c'est rotation de la caméra et là en fait c'est pour se déplacer gauche, droite, en face, arrière. Après on a le panneau de... on a l'affichage donc avec l'écran de pour voir ce qu'on filme et on a mode vidéo, photo et autres. Donc du coup ça se commande là dessus, comme ça. Donc, là je vais le ramener à la mise. Hop, non, hop, non, faut que ce soit l'arrière. C'est bon ? Vas-y, vas-y. Ok les gars, donc c'est la fin de ce petit test du Mavic Pro, donc du DJI Mavic Pro, et donc du coup là j'espère que ça vous aura plu. Donc si c'est le cas, le lien du DJI sera dans la description. Vous pouvez liker, partager la vidéo si ça vous a plu, commenter si vous avez quelque chose à commenter, je lis tous les commentaires donc en général. Et voilà, donc à la prochaine, la bise. Crapuleux tout ça hein.